Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 pour suivre le football. L'application est toujours gratuite et évidemment le lien se trouve dans la description. Salut les techniciens, c'est Hamslo, j'espère que vous allez bien les mecs. Nouvelle vidéo aujourd'hui et comme tous les jeudis, on va s'occuper de nos récompenses Division Rivals et nos récompenses Fut Champion, même si aujourd'hui, il y a un truc qu'on va faire, enfin, qu'on va pas vraiment faire. Bon, je pense que vous le savez tous, hein, les TOTS commencent vendredi soir, demain soir, à partir de 19h, on aura la première TOTS, donc la TOTS de la communauté. On a fait les votes, etc. Donc, normalement, c'est la TOTS most consistant, donc qui récompense, en fait, les meilleurs joueurs de la saison qui n'ont malheureusement pas eu de carte in-form dans la Team of the Week, forcément. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, ça va être très très simple. Je vais garder tous mes packs. Je vais garder vraiment tous mes packs. Pack à 100k, pack à 125k, etc. D'ailleurs, petite question pour vous, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont gardé leur pack jusqu'à maintenant pour pouvoir les ouvrir pendant les TOTS. Ça peut être pendant la TOTS Ligue 1, Première Ligue, Serie A, etc. Mais la question aujourd'hui, je voulais savoir combien de packs vous avez gardé pour justement les ouvrir pendant les TOTS. Bon, du coup, je vais aller chercher mes packs donc de Division Rivals. Je vais les packs à 125k, ouais, logiquement. Vu qu'on a fini donc Division 1, comme d'hab, rang 2. Là, on est en rang 2. La semaine dernière, on était en rang 1. Là, j'ai pas beaucoup joué cette semaine. Mais pourtant, la semaine prochaine, vous allez voir que je vais beaucoup jouer parce que j'ai pas mal de joueurs à tester. Donc, on prend évidemment les deux packs ultimes. Donc deux packs à 125 000 crédits, c'est juste excellent, voilà, hein, si on peut taper du TOTS, donc vendredi soir ou samedi, je sais pas quand est-ce que je vais ouvrir tous mes packs, mais si on peut packer du lourd, ça serait vraiment très très cool, et j'espère que vous aussi, vous allez packer du lourd, si vous ouvrez maintenant, ou alors évidemment, pendant les TOTS. Et évidemment, comme d'habitude, si tu souhaites acheter des codes PSN ou des codes Xbox Live, je te conseille Start Select, c'est très très sécurisé et très très fiable, vous avez le code HAMSLOFR pour 3% de réduction, et le lien se trouve évidemment dans la description. Je voulais aussi vous montrer l'avancement avant d'ouvrir les packs Fut Champion, l'avancement de Ronaldinho. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent: Sam, t'en es où de Ronaldinho? Quand est-ce que tu le fais? Frère, t'es technicien ou t'es pas technicien? Tout simplement, j'ai mis du temps parce que je voulais vraiment économiser un maximum de mes crédits et utiliser entre guillemets les joueurs rouges que je recevais donc pendant justement Fut Champion dans ce fameux SBC. Et vous allez voir que j'ai complété tout les défis, je n'ai pas validé, enfin j'ai validé aucune de ces équipes là, tout simplement parce que j'attends oui, les TOTS, hein, forcément, j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté pour packer du lourd et pour me faire un max de crédit. Donc humble début, vous allez voir que c'est fait, voilà, talent en devenir c'est fait aussi. Pour le défi champion, parfait, on a les deux joueurs in-form et on a l'équipe composée de joueurs or rares. Pour l'icône, je vais sacrifier donc Rui Costa, donc on aura un pack à 100k en plus de tous les packs qu'on va avoir aussi en faisant le SBC de Ronaldinho pour les TOTS. Donc on va vraiment, les mecs, soyez présents parce que ça va être, la semaine qui arrive, ça va être du grand n'importe quoi. L'équipe notée à 83 général, c'est fait aussi. 84, exactement pareil. L'équipe à 85, il me manque juste la porte. Et il y a juste la première équipe à 86 que je n'ai pas faite. J'ai mis aucun joueur dans ce défi-là, mais par contre, la deuxième équipe à 86 de général, normalement je l'ai réussi, je n'ai plus... Oh, ah si, il manque juste piqué, mais sinon je l'ai réussi. On passe à l'équipe notée 87 de général. Royce va sûrement passer à la trappe parce que forcément il va avoir une carte TOTS, donc bon, j'aurais bien voulu tester sa carte TOTS et sa carte POTM, du coup, enfin la 91, elle vaut plus grand chose en fait. Avant dernière équipe, c'est la 88, on va sacrifier Son cette fois-ci. J'ai pas trop kiffé, voilà, c'est pas vraiment mon style de joueur, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Et puis donc l'équipe à 89 de général, la voici, la voilà, on va sacrifier quand même pas mal de monde. Vous inquiétez pas concernant les Fraser, hein, j'en ai acheté plusieurs à 30 000 crédits. Pareil pour les, je crois que c'est Pizzi, j'en ai acheté plusieurs. Vous inquiétez pas les mecs, je me suis vraiment, vraiment bien, comment dire, préparé pour justement faire ce SBC, pour qu'il me revienne tout simplement à très très peu de crédit. On a un autre SBC que je vais faire, ça c'est sûr et certain, c'est Franck Ribéry, la carte End of Era, la carte donc fin d'une ère. Je suis aussi d'ailleurs très content d'avoir fait Elite, parce qu'il y a une très très belle Team of the Week, non pas des joueurs qui vont m'être utiles par exemple dans mon équipe ultime, mais des joueurs qui vont vraiment beaucoup m'aider parce qu'ils sont très très bien notés. On a du Brand que j'aimerais bien avoir, Kimmich, Lala, Benitez, le gardien niçois, on a Compagnie, Eden Hazard, forcément, hein, qui ne serait pas content d'avoir Eden Hazard en rouge, même si sa carte TOTS risque d'être phénoménale. On a aussi, évidemment, Bruno Fernandes, qui lui
J'aimerais trop l'avoir en tots. J'espère qu'il aura un tots. Logiquement, il aura un tots. Mais c'est n'importe quoi, cette carte de malade. Il a une carte de malade, les mecs. Vraiment, il a une carte de malade. Et je me dis que bah, dans les prochaines semaines, je pense que je vais faire une équipe Liganos ou des Portugais ou je sais pas trop comment ça va se passer. Avec justement Bruno Fernandes en MOC dans une équipe pour faire fut champion, par exemple. Bref, on a assez parlé. Fut champion, c'est parti. Donc, Elite 3. Enfin, j'ai envie de dire enfin, mais au final on est à temps pour les tots, donc c'est cool. On va essayer de évidemment réitérer le Elite 3 la semaine prochaine pour justement avoir pourquoi pas le pack avec des tots dedans, parce que c'est possible que le pack Team of the Week se transforme en pack tots la semaine prochaine. Donc voilà, après c'est à EA de voir un petit peu si on aura ça ou pas. Mais j'espère qu'on l'aura, parce que ça voudrait dire que les gens vont jouer encore plus leur vie en fut champion, même si c'est déjà le cas. Bref, on a donc 3 cartes rouges avec donc un choix de 5 joueurs. Donc c'est parti pour la première carte, les mecs. Je vais commencer, allez, comme d'hab, on va commencer par la première. Donc c'est parti. Mina, Santi Mina, je prends 85 de général. Là, tout ce que j'espère, les mecs, c'est des bonnes notes. Donc hop, voilà, ça c'est fait. Premier joueur, Santi Mina. On a encore 2 cartes et j'espère qu'on va continuer sur ce rythme. J'espère qu'ils vont pas me redonner par contre les mêmes cartes. Mais bon, on va voir ça tout de suite. Allez, deuxième choix. Oh oui, Kimmich. Oh punaise, ah, j'ai flippé parce que je pensais que ça allait être le meilleur encore Santi Mina. Mais Kimmich, les mecs, j'avais dit que je le voulais. Il y avait Kimmich, Brandt, etc. Mais Kimmich, c'est juste excellent. Il a une très belle carte, il est noté 88 de général. C'est juste parfait. C'est juste parfait, les mecs. C'est vraiment parfait, je suis très content. Bah putain, moi qui dis tout le temps, voilà, bah, vous le savez, hein, quand je peux pas faire Elite 2, bah j'ai pas envie de faire Elite 3 et je reste hors 1. Et c'est vrai que pendant des mois, j'ai dit ça parce que voilà, je me suis dit que les deux packs à 100k m'ont toujours apporté du lourd. Hein. On se rappelle bien que la dernière fois que j'ai ouvert des packs à 100k venant durant hors 1, j'ai packé Rivaldo. Donc bon, j'ai aussi des bonnes excuses entre guillemets pour pas me forcer à faire Elite 3. Mais là voilà, ce week-end, je voulais revenir parce que c'est les tots, c'est le mois des tots et je voulais absolument faire Elite 3 minimum. Et c'est ce qu'on a fait, hein, 24 victoires et 6 défaites. Et ça paye, Joshua Kimmich, les mecs, ça paye de ouf. 85. 88, on monte en crescendo là. Est-ce qu'on peut avoir c'est lequel là, après je sais pas du tout, c'est 89, 90, 91, peut-être Eden Hazard. Bref, en tout cas pour l'instant je suis très content. Et on est parti pour le troisième et dernier joueur rouge. Oh oh oh, là 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 là. Eh c'est... Eh, je vais arrêter de dire que Elite c'est de la merde. C'est vrai que là j'ai été très chanceux. J'ai été très 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 chanceux. Benitez ou compagnie, c'est un des deux. Oh ça fait plaisir les mecs, ça fait plaisir. Les trois cartes sont utilisables. Les trois cartes m'aident énormément. Parce que il y en a, ils sont drôles, ils me disent: ouais mais Sam, t'as acheté Mbappé Totti en avril. Et frère, t'es le dernier youtubeur. Évidemment que je suis le dernier youtubeur à acheter des grosses cartes. Et je mets pas 5 000 € comme tout le monde. Évidemment que je suis content pour compagnie. Moi je mets pas des smic dans le jeu, hein. Moi je suis content pour tout. Genre demain il a une vraie carte en vrai. Il a 3 étoiles moi au pied, 3 étoiles légère technique. Je crois qu'il a marqué un triplé. Et avec Cologne il passe en Bundes, je crois. Ils sont promus, si je dis pas de conneries. Santi Mina, Joshua Kimmich et puis compagnie 85, 86 et 88. Je trouve que c'est juste parfait. Alors c'est vrai que c'est pas du Eden Hazard, mais c'est très bien. Je pense que c'est très bien. Les crédits qui font plaisir, hein, 2 462 000 crédits maintenant. Excellent. On va donc du coup finir cette vidéo avec le pack Team of the Week. Et je vais l'ouvrir maintenant, hein, parce qu'il y a une grosse Team of the Week. En espérant pourquoi pas taper l'animation et pourquoi pas, voilà, une belle carte qui on va dire se vendre quoi, tout simplement, histoire de rapporter des crédits encore une fois à la maison. Donc allez, c'est parti et on va finir avec une petite virgule, tiens. Yes, 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 mes amis, ça va être qui? Allez, du lourd. Ah, c'est Brandt, 87. Eh, c'est les deux joueurs que je voulais. On a eu Joshua Kimmich en carte rouge et Brandt dans notre pack Team of the Week. Aïe, 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 ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu fais le vieux, là? T'es pas vieux, enculé, va, t'es jeune. On va voir ce qui se cache derrière, histoire de voir un petit peu s'il n'y a pas un petit Santi Mina, par exemple. Non, on a Fernando et Cabella, Rémi Cabella. Combien coûte, du coup, Brandt? Ça doit coûter du 40k, ça, non? Ouais, 45 000 crédits. 45 000 crédits par-ci, par-là, ouais, entre 40 et 45 000. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. On va tout garder, évidemment, et ça fait plaisir. On a encore beaucoup de packs à ouvrir, les mecs. On se réserve ça pour ce week-end avec les tots qui vont arriver. Ça va être une semaine d'enfer. J'espère que vous serez aussi chanceux que moi. Mais en tout cas, moi, mes récompenses élites ont été plutôt cool. Non, franchement, j'ai
absolument rien à dire, on a été gâtés. Bref les mecs, n'oubliez pas de chausser vos crampons, de prendre soin de vous, c'est très important. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao les amis. The moments when I was taught as a joke.